Le coup d'envoi qui sera donc donné par les Congolaises dans un court instant. Et c'est donc parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre entre le Bénin et la République démocratique du Congo. Cette récupération de balle en milieu de terrain. Et cette fois-ci, peut-être l'occasion, peut-être la frappe. Et l'ouverture du score. Nous jouons seulement la 5e minute. Yolande Yami qui permet au Bénin d'ouvrir le score. 1-0 donc face à la RDC. Sur cette longue touche, le Bénin, les Amazones qui sont devant et qui lancent pour l'instant les hostilités dans cette rencontre. Elles sont bien parties dans la rencontre, les Amazones. Cette fois-ci, il faut défendre ce but. C'est bien parti. Ça va certainement changer donc la donne du côté de l'équipe congolaise. 30 minutes de jeu, 1-0 pour les Amazones. La tête défensive de Noélie Abamon. Cette fois-ci, c'est Léa Fachina qui va au marquage. Pas en position régulière, attention, peut-être à la frappe. Et quel arrêt! Quel arrêt dans le premier temps! L'égalisation ici! La défense qui est restée statique! La défense qui n'a pas aidé la gardienne! Malgré ce premier arrêt! Et elles vont égaliser les joueuses congolaises! L'égalisation signée merveille Kadinga à la 31e minute de jeu sur cette balle dans le dos de la défense. Alors là, avec cette égalisation, le Congo passe au second tour, même s'il reste encore plus de 10 minutes, près de 15 minutes à jouer avec le temps additionnel dans cette première partie. Un but, Yolande Yami. Qui se retrouve quand même un peu seul en attaque, presque seul, on va dire, même en attaque. Et c'est peut-être aussi ça qui. Et ça arrive à une nouvelle fois à passer, attention. Et le deuxième but! Quel retournement de situation ici pour la République démocratique du Congo! Alors là, il va falloir marquer un peu plus. Une défense désorganisée depuis un moment. Et le but, cette fois-ci, sur la passe de Ruth Kipoyi. Le but, on va dire, de Naomi Kabakaba, qui était seul au second poteau. Alors là, les Béninoises se font prendre peut-être à leur propre piège. Le ballon, la possession donc à la balle à l'équipe congolaise qui en moins de 3 minutes renverse donc les Amazones dans cette première partie. Et cette fois-ci la possession est béninoise. Haute Béjissi qui cherche très loin. Bien évidemment, bien joué avec Yolande Yami qui arrive à passer peut-être le 2 buts partout. Mais quel arrêt, ce n'est pas encore terminé. Et là, elle vient peut-être de sauver le Congo d'une égalisation béninoise. Fideline Joy. À la 57e minute de jeu. Mais quelle action! Elle y a cru. Mais sa sortie a empêché donc Yolande Yami d'inscrire donc son doublé. Pour l'instant, le score va rester donc à 2-1 en faveur de la République démocratique. Et c'est donc terminé les 3 coups de sifflet. Finale donc de l'arbitre. Et c'est bien évidemment le Congo qui va passer au second tour des éliminatoires donc de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Maroc 2024, les Congolaises qui vont affronter donc la Guinée équatoriale et les Béninoises qui sont appelées à travailler encore plus.